Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme j'en avais parlé et on me l'avait demandé également, c'est une toute petite vidéo sur le taille-crayon, alors le DAL 133. Donc le voici. C'est celui dont je me sers toujours. Voilà, je ne me sers plus que de celui-là. Donc, je vais vous montrer comment on s'en sert et surtout comment on le nettoie. Voilà, parce qu'il faut surtout le nettoyer de temps en temps, parce que nos crayons sont la plupart à base de cire ou à base d'huile. Donc, ça graisse le rouage qui est à l'intérieur. Et donc, si vous ne le nettoyez pas de temps en temps, eh bien ça va abîmer votre taille-crayon et marchera moins bien. Voilà. Donc voilà. Alors. Donc voilà comment il se présente. Bon là, il y a déjà des petites épluchures dedans. Je vais les vider après. Donc il y a la petite manivelle pour tailler. Donc vous mettez votre crayon ici. Je vais vous montrer après, hein, puisque là, il faut que j'appuie. Vous avez deux possibilités. Alors, on va essayer de mettre, voilà, comme ça, deux pointes. Vous avez deux possibilités de faire, alors, soit des pointes pointues, moi, c'est ce que j'utilise toujours, ou des pointes rondes, voilà. Donc, vous allez régler avec ce petit bouton ici, que vous allez tourner. Alors, soit vers la pointe ronde ou la pointe pointue. Voilà, suivant comment vous aimez bien vos crayons. Moi, je les fais toujours pointus. Voilà. Donc là, elle est réglée pour mes crayons. Je touche jamais, je laisse toujours comme ça. Donc, bon. Voilà, petite manivelle. Vous avez également, donc avec ça, c'est pour pouvoir. Alors vous avez un petit trou ici, voilà, qui permet alors de fixer. Alors je vais l'ouvrir, sachez, moi c'est pareil, je ne le mets pas hein, parce que je range toujours mon taille-crayon quand j'ai fini. Mais si vous voulez le laisser sur votre bureau, donc vous fixez ça comme ceci. Voilà. Hop. Et vous allez remonter. Bien sûr, là, il va y avoir le bureau entre deux. Voilà. Voyez. Ça, mon doigt, c'est le bureau. Et vous allez serrer la petite ailette jusqu'en haut. Et votre taille-crayon sera fixé à votre bureau. Il ne bougera plus. Voilà. Mais moi, je ne le fais pas. Je ne m'en sers pas. Alors, il est composé donc d'un tiroir, voilà. Bon, comme je vous ai dit, il y a les petites épluchures, je vais les vider d'ailleurs. Hop. Voilà, donc comment on voit à l'intérieur, il n'y a rien, hein, c'est juste la place du petit tiroir. Et avant de vous montrer comment on nettoie, alors on va nettoyer de ce côté-là, je vais vous montrer pour comment on taille le crayon. Et pour ça, je vais mettre le téléphone face bureau. Voilà. Alors, pour faire votre crayon, vous allez appuyer sur le petit bouton qui est ici et tirer le petit ensemble noir qui est là. Vous allez mettre votre crayon. Alors, pour mettre votre crayon, vous allez appuyer sur le petit bouton, là. Et mettre votre crayon jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, votre crayon est bien au bout. Bon, moi, je tiens mon taille-crayon puisqu'il n'est pas fixé, hein. Et hop, on va tourner. Ça fait du bruit, hein, désolé. Quand vous voyez que la manivelle tourne un peu dans le vide, c'est que c'est bon. Et voilà.
Donc, mon crayon est en pointe pointue. Voilà. Alors, je vais peut-être quand même vous le faire en pointe ronde. Alors, je vais essayer de regarder si j'ai un autre crayon là quelque part. Oui. Alors, j'en ai un qui est tout cassé. Ça, c'est les vieux crayons hein, que j'ai. Alors, on va régler en pointe ronde ici. Donc, je tourne la manivelle. Enfin, le petit bouton. Voilà. Et on va faire pareil. Donc là, bon, il n'était pas bien, déjà pas bien formé, hein. Mais voilà. Alors, je vous montre les deux. Voilà les deux pointes. Et celle-là est plate, celle-là est pointue. Donc voilà, pour les deux crayons, pour les deux pointes. Non, par contre, moi je vais me le remettre en pointu parce que pour plus tard. Voilà. Alors maintenant, pour le nettoyage. Alors je me prends un pinceau plat comme ça ou comme ça, mais le plat va beaucoup mieux. Alors je vais essayer. Hop. Voilà. Alors voilà les épluchures que ça fait, voyez. Ça fait vraiment comme pour le bois, vous savez, quand on fait au rabot. Ça fait de la poussière de bois. Ah non, c'est. Voilà. Vous voyez. Donc, quand vous le nettoyez, ben, vous tirez ça. Moi, je nettoie toujours mon petit tiroir un petit peu. Voilà. Je nettoie l'intérieur ici. Attendez, je vais essayer de mettre la lampe. Voilà, je crois que ça ira mieux. Voilà. Ici, je vais nettoyer l'intérieur là. Il y a toujours des petites poussières de taille qui restent à l'intérieur. Et maintenant, on va enlever ça. Voilà, vous avez juste à tourner la manette noire. Voilà. Et voilà ce que vous avez à l'intérieur comme mécanisme. Donc, n'ayez pas peur, hein, ça ne va pas se casser, ça ne va rien faire. Et là, vous n'avez plus qu'à faire le pinceau bien partout. Alors, surtout là, parce que c'est là que la mine se fait. Moi, je le fais régulièrement, hein, donc il n'y a pas de, y a pas de gras. Là, je prends le rond. Et voilà.
Là, maintenant, c'est tout propre. Voyez. Donc maintenant, on va le remettre. Donc c'est tout aussi simple. Bon, je vais donner un petit coup là aussi. Vous avez des lamelles là, hein, donc vous faites pas, c'est pas grave, ça va pas bouger. Alors vous avez des petites encoches là, voyez, une encoche là, une encoche là, et vous avez vos encoches ici, une là et une de l'autre côté. Donc vous mettez les encoches, voilà, et vous. Vous n'avez plus qu'à tourner. Voilà, c'est fermé. Donc on redonne un petit coup, hein, si on voit que c'est encore un petit peu sale. Oh, j'ai du bruit. Et vous remettez votre tiroir. Et votre tête crayon est prêt. Voilà, et prêt à être utilisé de nouveau. Donc ça, essayez de le faire. Alors ça dépend combien de fois vous utilisez, vous faites du coloriage par semaine. Mais essayez au moins de le faire, si vous faites beaucoup de coloriage, le faire au moins 2 fois par semaine. Et si vous n'en faites pas beaucoup, ben, 1 fois par semaine. Mais surtout si vous utilisez des crayons gras, essayez de le faire quand même régulièrement pour pas que votre lame qui va tailler les crayons s'encrasse. Voilà. Donc maintenant, votre taille crayon est tout propre et vous n'avez plus qu'à retailler vos crayons. Et voilà. Donc ça, le DAL 133, vous pouvez tailler des crayons jusqu'à 11,5 mm. Voyez. Parce que là, regardez, hop, si j'appuie, voyez. Voilà, il se règle en appuyant. Vous pouvez mettre des gros crayons. Voilà. Donc vous pouvez mettre des crayons quand même de toute taille et il est quand même solide. Voilà. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur le taille crayon, sur le DAL 133 vous aura intéressé. Surtout sur son nettoyage. Voilà, peut-être qu'il y avait déjà des vidéos. Hein. Je pense qu'il y a déjà des vidéos sur YouTube, mais vous me l'aviez demandé, donc je vous l'ai fait. Donc voilà, donc surtout faites bien le nettoyage de cette lame au moins 1 fois par semaine, mais si vous coloriez vraiment beaucoup, faites-le plus, faites-le au moins 2 fois par semaine. C'est vraiment très important pour que votre crayon dure très longtemps. Voilà. Et donc ça, si vous voulez l'attacher à votre bureau, si vous avez la possibilité de l'attacher à votre bureau, bah, écoutez, vous vous en servez, mais moi non. Voilà. Donc voilà. Allez, je vous remets le lien en barre d'infos pour trouver ce taille crayon. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous.